Salut, voilà, mardi 28 août 2018, voilà, Stade Saint-Symphorien à Longeville-les-Metz, voilà. Donc, ouverture, il y a une semaine du tronçon qui relie donc le plan d'eau de Longeville-les-Metz, enfin, voilà, à Montigny-les-Metz, donc ouverture de la voie qui est... Voilà, ça fait des années qu'on attend ça. Bah voilà, c'est ouvert. Donc, petite découverte, c'est parti. Yep. Allez. Donc là, ça c'est la portion qui a été faite du côté Longeville. Et en fait, il manquait le côté de Montigny. Ah. Il y a un troupeau de joggeurs devant nous, enfin devant moi surtout. Voilà. On va les doubler délicatement. J'ai ramené l'outil adéquat. Voilà. Yeah. Yeah. Très efficace. Yes. Voilà. Ça roule tout seul. Ah oui, ça va plus vite en roulette qu'à pied. Hein. Donc là, on est toujours derrière le stade. Et on va arriver à la frontière entre Longeville-les-Metz et Montigny-les-Metz. Voilà, et la nouvelle portion de la véloroute Charles le Téméraire qui est ouverte depuis une semaine, yes! Alors là, le macadam est tout neuf, hein. Ah. Et on va aller jusqu'au canal, faire la petite descente, voilà. Après on est direction... rattraper la véloroute au niveau du pont du PC autoroutier, ce qui n'est pas évident. Il y a un petit bout qui n'est pas du tout protégé, ou alors passer par la zone la ZAC Donny pour récupérer au niveau du barrage d'Arche sur Moselle, en passant par Jus aux Arches évidemment. Oh, c'est bien, là on est fin août, les températures sont plus calmes. Donc petite montée. Voilà. Et là, on est au-dessus du canal de Juy. Voilà. Et là, vers le plan d'eau de Metz. Allez, parti pour la petite descente. Alors, c'est toujours pareil. J'espère qu'il n'y aura pas de voiture en face. Ça sera la surprise. Alors, normalement, je suis censé aller à droite. Donc, je vais essayer. Voilà, super. Il y a la place. Yeah! Alors j'en profite pour me filmer un peu le macadam. Excellent. Voilà. Donc là, on arrive dans le quartier des Friches. Voilà. Et ce qui va nous amener jusqu'à Moulins-les-Metz. Ouais, tranquille. Magnifique. Yes. Ciao, ciao.